fait partie de ces premières populations. Et ces premières populations, comme religion, c'était donc les religions traditionnelles. Mais quand on dit religion traditionnelle aujourd'hui, on met ça facilement au singulier. Mais en fait, c'est des religions traditionnelles. Chaque groupe ethnique, chaque culture avait sa religion. Et en particulier à Popengin, on avait davantage quelque chose qui était plus proche de la religion Xhosa, Mandingue. Donc tout l'ancien empire Mandingue s'étendait jusque-là, sur le Sénégal. Et à Popengin, en particulier, dans la religion, il y avait une sorte de dévotion traditionnelle. Sur le Cap de Naz, qui est la promotion la plus haute de la région, toute la petite côte. Sur le Cap de Naz, on vénérait une divinité, j'appelle une divinité pas Dieu, mais une divinité en esprit, que les habitants appelaient du nom même que rapporte le père qui va fonder le pèlerinage, appelait Bopngin. Mbopngin, autrement dit Bopujine. Et quand le père Monseigneur Picarda est venu du côté de Popengin pour la première fois, d'abord il a été frappé par la beauté du site. Aujourd'hui c'est un parc national, même si c'est un peu affaibli. Attiré aussi par la beauté du Cap de Naz. Et attiré surtout par le nom de ce génie. Bopengin. Quand l'église arrive à Popengin, ceux qui étaient là, ils étaient avec les Pangos. Les Pangos, c'est les génies, les ancêtres, où on essaie d'avoir une rencontre avec l'au-delà. Moi-même, j'ai grandi dans ce milieu jusqu'à 15 ans avant d'être chrétien. Et je me rappelle, quand l'hivernage venait, on allait faire à la sortie du village des fêtes pour préparer l'hivernage, pour que l'hivernage soit fait gros. J'ai fait ça jusqu'en 1949 où je vais aller à l'école à 15 ans. Donc cette tradition-là commence à disparaître, ou même pratiquement disparu. Mais le fondamental, le sérieux qu'il avait là, est allé donc se nicher dans la foi chrétienne. Donc pour lui, c'est le sanctuaire national. À un moment donné, on avait fait d'abord un pèlerinage à Morolan, on a proposé à Morolan, puis finalement, on s'est arrêté maintenant. Le pénal national pour la Sénégambie, c'est donc à Popengin. Tout est parti en 1888, hein, avec l'arrivée d'un prêtre français d'origine italienne qui s'appelait Monseigneur Picarda. Monseigneur Picarda était chargé de l'évangélisation de l'Afrique de l'Ouest. Et donc il avait comme résidence à Dakar. Donc Monseigneur Picarda, avant de venir au Sénégal, il avait fait la Normandie, hein, il avait également fait la Martinique. Et dans chacun de ces sites, il avait érigé un sanctuaire dédié à la Vierge Marie. Donc une fois affecté au Sénégal, en Afrique, il a dit aujourd'hui, il veut vraiment remplacer le triangle de la honte, qui est le triangle de la crête négrière, l'Afrique, l'Amérique et l'Europe, et par le triangle de la grâce. Et le triangle de la grâce, du coup, qu'il avait déjà deux sanctuaires en France et en Normandie et également en Martinique, il fallait un troisième site pour l'autre sanctuaire dédié à la Vierge Marie. C'est ainsi qu'il a fait son pèlerinage. Il a fait la grande côte de Dakar à Saint-Louis en priant. Après, il a fait la petite côte, c'est-à-dire de Dakar à Joval. Donc, et arrivé à Popengin, c'est là qu'il a senti la Vierge lui dire c'est ici qu'il faut ériger le sanctuaire dédié à la Vierge Marie. Donc le sanctuaire, c'est toute une histoire, et une histoire dynamique. Il a connu donc des évolutions liées d'une part au nombre de pèlerins qui sont de plus en plus nombreux, et d'autre part liées au confort qu'il faut donner donc à ces pèlerins. À cela, il faut ajouter que le sanctuaire ne sert pas seulement pendant le pèlerinage national, mais il sert aussi tout au long de l'année, notamment pendant le temps du carême.
en 1992 lors du pèlerinage du pape Jean-Paul II, qui est maintenant un saint, qui était venu ici à Popengine, qui avait fait son pèlerinage. En ce moment-là, il n'y avait pas cette architecture ici. Donc, pour vous dire que véritablement, avec vraiment tous les pouvoirs qui sont passés, tous les présidents qui sont passés, et voilà, ils ont fait des gestes, des actions pour véritablement amener à ce que le sanctuaire soit actuellement comme ça. En 1988, il y a eu des grands travaux qui ont été faits sur le sanctuaire. Et ces travaux étaient liés au centenaire du pèlerinage national de Popengine. Donc il s'était agi de moderniser donc le sanctuaire tel qu'il était et aussi de reprendre un certain nombre d'ouvrages comme le chœur, l'autel, etc. Et nous avons vécu ainsi. À l'époque, le sanctuaire devait avoir une capacité de 15 000 places. Et nous avons évolué ainsi. Et on s'est rendu compte, peu après, que le sanctuaire était devenu trop petit. Alors, il s'est agi donc de faire, dans un premier temps, l'agrandissement de l'actuel sanctuaire. Et si cet agrandissement était fait, on devrait pouvoir gagner 5000 places de plus. Et ces travaux devraient être financés par l'État du Sénégal dans le cadre de la modernisation des cités religieuses. Je dois d'ailleurs dire, j'allais l'oublier, qu'en 2004, le cardinal Sarr, sensible au confort des pèlerins, avait souhaité donc qu'il y ait une couverture, ce qui a été fait en 2004. Et donc c'est après qu'il a fallu faire donc des travaux sur l'actuel sanctuaire pour avoir 5000 places de plus. 5000 places de plus 15000, on était à 20000, alors que nous savons qu'on est au-delà de 50000 pèlerins pendant le pèlerinage national de Popengine. Le nouvel archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin, quand il est arrivé, pendant ses vacances qu'il passait à Popengine, a eu l'idée de délocaliser l'actuel sanctuaire et de l'amener sur cet espace qu'on appelait le village de marcheurs, qui a l'avantage d'être sur une hauteur et qui a un autre avantage donc de surplomber l'océan, qui nous rappelle toujours l'infini et qui nous renvoie à Dieu. Il se trouve que cette place-là aussi est mieux ventilée pour les pèlerins donc qui vont y être. Et c'est ainsi donc qu'il a demandé à ce que le sanctuaire soit délocalisé sur ces lieux. Ce qui est en train d'être fait, les travaux ont commencé. Ce sanctuaire, une fois qu'il va être terminé, aura donc une capacité de 40 000 places, ce qui est tout à fait différent de ce que nous avons maintenant. Donc le premier pèlerinage à Popengine a eu lieu en 1887. Mais en fait, c'est en 1889 qu'a eu les premiers baptisés de Popengine, dont fait partie le père du feu cardinal Hyacinthe Tchandoum. Nous avons eu la chance d'avoir connu le cardinal Tchandoum, qui était originaire de Popengine et qui souvent nous a parlé de Popengine. Et Popengine est un village serré, constitué essentiellement de pêcheurs qui sont en même temps agriculteurs. Et les missionnaires sont arrivés sur cette zone et se sont installés, ont été accueillis aussi par les populations. Et c'est assez rapidement que le père Srup, qui a été aux origines de la mission, a ouvert son activité missionnaire, n'est-ce pas, à toutes les populations. Tous ceux qui étaient là pouvaient bénéficier des services de ce missionnaire, surtout des services en matière de santé. Et c'est donc dans ce cadre-là que ce travail missionnaire a commencé et a fait générer une première communauté chrétienne. Et on rappelle que parmi les premiers baptisés, il y a justement les parents du cardinal Tchandoum, François Fadi Tchandoum et Anandie Mécène, qui sont ses parents et qui sont en quelque sorte l'embryon de la première communauté chrétienne de Popengine. Et c'est vers la fin du 19e siècle, n'est-ce pas, que le pèlerinage va commencer, n'est-ce pas, parce que un évêque d'ici avait vu le cadre et avait trouvé le cadre approprié
n'est-ce pas, pour développer le culte de la Vierge Marie, qu'il avait connu par ailleurs dans une autre partie du monde. Et naturellement, le peuple chrétien a adhéré à cette démarche et s'est rendu régulièrement le lundi de Pentecôte à Popongine pour prier la Vierge Marie. Le pèlerinage, Nous avons dit que nous avons dit nous avons dit que 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 nous avons dit
que le prochain pèlerinage arrive. Musulmane, vous êtes le guide de Pentecôte. Voilà que le nuit d'abord. Nous avons dit que mag yi ñëwatuñu waaw man ñima daan liggéeyal fi ci ka baaw baab ay seen doom rek ñoo fi ñëw. Dans le village de Popongin, il y a beaucoup plus de musulmans et c'est des gens qui sont complètement engagés dans l'organisation du pèlerinage. C'est un grand moment pour l'église, mais aussi c'est un grand moment pour le village de Popongin. L'autre marque que je voudrais faire, c'est qu'en m'occupant du pèlerinage de Popongin, je m'étais aperçu de la qualité du fonctionnaire sénégalais, qu'il soit musulman ou chrétien, qui avait tout simplement ce désir de venir en aide à tous ces gens qui vont au pèlerinage. Et j'ai rencontré d'ailleurs pour le cas du pèlerinage des ministres qui m'ont toujours dit, en faisant ce que nous faisons, nous nous mettons au service des Sénégalais. Et que donc le pèlerinage Popongin, pour le dire, c'est l'effort de tout le monde. C'est l'effort de chrétiens, c'est l'effort aussi de musulmans. Nous sommes ici à Popongin. Nous sommes ici à dialogue. Nous sommes dialogue islamo-chrétien. Nous sommes ici à tolérance. Nous sommes ici à l'unité. Nous sommes ici à l'unité. Depuis 1888, la fille cardinal Bouydawa Picarda, 1er janvier, qui est le Toubel, ou le Bok, nous avons fait une religion catholique, Fanver, et Thuro Mignette. Et si vous avez fait un sortacle, pas que vous avez fait un sortacle. Donc, mais nous dépassons la tolérance. Comme nous le savons, nous avons respect. Si nous travaillons au dialogue, pas seulement au disso, wahtan, pas seulement au wahale, mais si chacun de nous parle au nom de sa foi, dans ce qu'il pense être le plus important de sa foi pour résoudre ce problème, en ce moment-là, on va participer à résoudre ce grave problème. Le pape François vient de faire des voyages très importants en monde islamique, en Arabie Saoudite, au Maroc dernièrement. La même chose qu'il affirme, c'est la même chose qu'affirmait le pape Jean-Paul II, à savoir que ce qui peut unir les hommes, c'est que nous avons la même origine tous et la même destinée tous. Popongin doit être aujourd'hui un miroir. On doit aujourd'hui, ce que vit Popongin dans le cadre de ce dialogue, de ce partage, de cette cohabitation, de cette tolérance religieuse, doit être aujourd'hui montré partout dans le monde. Déjà, la foi qui s'exprime à Popongin. Parce que Popongin, au point de départ, n'est pas un lieu d'apparition de la Vierge. Mais c'est la foi des hommes et des femmes de ce pays qui les conduit, n'est-ce pas, tous les ans et à tout moment, à aller à la rencontre de la Vierge, à la prier. Et je peux dire que les chrétiens sénégalais ont véritablement adopté la Vierge. Et dans cette démarche, les croyants musulmans sénégalais les accompagnent aussi, parce qu'ils ont aussi cette considération pour la mère de Jésus. Il y a des valeurs, quel que soit le côté du trait que l'on trace, il y a des valeurs. Et ces valeurs-là reposent, à mon avis, sur une valeur fondamentale. Qu'est-ce que c'est que l'homme? Qu'est-ce que c'est que l'humain? Cet humain, bon, on peut dire, biologiquement, il est ceci. Sociologiquement, il est ceci. Culturellement, etc. Mais le fond de la question, cet humain, c'est un être de relation. Un être capable de relation.
celui qui n'est pas capable d'entrer en relation avec les autres, mais tu vas toi-même disparaître et tu vas laisser les autres disparaître. L'homme, le co-créateur, c'est l'homme de relation. Or, c'est ça que nous avons à Popongine. C'est ça que nous avons au Sénégal. Popongine, terre de foi, c'est pour aller dire, nous croyons en celle-là qui a cru en l'absolu et nous lui demandons de nous aider à mieux croire encore en l'absolu.